Salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play de Fatal Frame Maiden of Blackwater sur PlayStation 4, un jeu choisi par Shadow 2009 que je remercie et merci à tous de suivre ce let's play. Alors, nous en étions au chapitre 12, je crois, 13. 13. Voilà, bon, apparemment, il faut arrêter les fantômes qui vont essayer de pénétrer à l'intérieur du magasin. Alors, Rui, Miyu, Miku, Hisoka et Yuri sont tous revenus du mont Ikami. Le soleil noir, enfin, le soleil ténébreux les a suivis. La montagne ne les laissera pas partir. Ren doit les protéger tout seul. Bon, allez. Hop, on regarde un peu ce qu'on a. Et puis si on n'a pas S à la fin, c'est pas grave. On va quand même se mettre le plus de ressources possibles. Allez, alors, le soleil des ténèbres ou le soleil noir. Alors, Rui, Miyu, Miku, Hisoka et Yuri sont tombés dans des profondeurs. Alors, putain, ça commence d'entrée des putains de mots. Dans un sommeil profond, ou quelque chose comme ça, deep slumber. Ren a peur que le groupe soit vulnérable aux attaques des esprits, parce qu'ils vont persister. Il est temps de retourner derrière les caméras de surveillance. Ren sait qu'il doit trouver ce qui se passe au mont Ikami avant que quelque chose vienne lui faire payer la visite. Eh ben, c'est charmant. Alors, on se met en condition. N'oublions pas que le jeu, je ne le connais pas. Hein. Je suis comme vous, je découvre en même temps que vous. C'est bien le jour où il faut pas y aller dans la boutique, c'est ce jour-là. Apparemment, le soleil est comme ça depuis plusieurs heures. Ouais, que des femmes à protéger. On va essayer. Oh là là là. Cette lumière. Ça doit être un signe que quelque chose d'étrange se passe au mont Ikami. Chose doit être sur la route encore. Je devrais garder un œil sur les caméras de surveillance. Bon, allez. Alors, juste les caméras de surveillance, je crois qu'elles sont plutôt ici.
Ah bah ça commence pas, hein. Pas le temps de s'ennuyer. Je peux pas bouger en plus. Ah, purée. Est-ce que je peux gratter des sous là? Yes. Merde, je voulais voir si... Wow. Ah. Putain, le temps que j'y arrive, la caméra, elle m'a... Allez, montez au deuxième étage. Alors, montons au deuxième étage. Ça, c'est la sortie. Je sens qu'on va pas s'ennuyer dans ce chapitre, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi... Ah ouais, non mais putain, mais on est encerclé là. Bon. Oups, elle est pas morte. Bon, j'ai changé d'appareil de pellicule parce qu'elle est nulle. Hein. Oh, je l'avais déjà, merde. Bon, on va remettre, hop, une bonne pellicule, ça sert à rien de les économiser là. Je sais pas, faut que j'aille dans les chambres. Ça m'a dit d'aller au deuxième étage. Alors, les notes de Yuri. Les mots, je ne te laisserai pas à ma porte. Both me back to my sense. M'ont ramené tous mes sens. Veil over. Well. Bon, en gros, je pense que le fait de. Je ne te laisserai pas, ça lui a permis de reprendre ses esprits. Voilà, ça l'a revigoré, ça lui a permis de reprendre ses esprits. Ces mots sont si puissants, si absolus. Ils m'ont transpercé, on pourrait dire. Ils m'ont eu. Hein. Mais. What really got me to stick around or something small? Mais ce qui m'a vraiment. Comment on pourrait traduire ça? Mais ce qui m'a permis de rester est quelque chose de plus petit, quelque chose comme ça. Ce sont les... Ah oui, voilà, d'accord. Ce qui m'a permis de rester, c'est quelque chose de bien moins solennel que je ne te laisserai pas tomber, quoi. Eh ben, merde. Ah, ça, c'est mon dieu aussi qui fait n'importe quoi. Putain de merde. Alors, ce sont les mots favoris d'Isoka. Alors, parfois, une coupe de café peut faire toute la différence. C'est une si petite chose, mais je ne l'ai jamais oublié ou un truc comme ça. Bon, confirme. Bon,
dirais que tout va bien. Ensuite, je pense qu'on va faire pièce par pièce. Voilà, c'est la chambre de Hisoka, je crois. Il semblerait qu'elle ait eu un cauchemar, mais ça va mieux. Elle a passé des jours piégée au Moikami. J'aimerais lui demander ce qu'elle a vu là-bas. Mais il y a des choses plus urgentes actuellement. Je dois visionner les caméras de surveillance. Alors. I couldn't make it, donc je ne pouvais pas le faire, juste comme je le pense. Comme je le pensais à. Comme je l'ai pensé, je l'ai eu, elle est tombée. Akari, je n'ai pas pu la sauver, pardonne-moi, ces mots résonnent fort dans ma tête. Peut-être qu'en la poursuivant Akari, je l'ai poussé à aller plus loin. Thank you. Bon, en fait, là, elle nous explique qu'elle n'arrive pas à s'en remettre de la personne qu'elle n'a pas pu sauver, la fameuse Akari. Bon, encore leur ghost mariage, putain. Ils rendent fou, hein. Bon, tout semble aller bien, à part qu'ils ont fait un cauchemar aussi. Si, mais bonjour, toi. On va se battre là, dans les 400 cm². Ah oui, là ça sert à rien que j'appuie le premier. Bon, elle m'a raté, je l'ai raté. Ils te mettent le truc rouge avec tous les points faibles pendant une seconde et au moment où tu appuies, ça disparaît. Du coup, tu perds la photo et elle te fait une contre-attaque. C'est vraiment des bâtards. Bon. Pas faire. Allez. Bon, maintenant que j'ai tout fait, à l'étage, on va aller voir ces fameuses caméras de surveillance. Si j'arrive à les retrouver.
Alors, oui, donc il est en train de respirer doucement dans un profond sommeil. Quel est ce livre? Alors, quel est ce livre? Oh putain. Ça serait flippant qu'il y en ait un qui apparaisse derrière moi. Mais ça serait, je pense, le plus intéressant à faire là. À faire apparaître un derrière moi pour me mettre un coup de pression. Mais bon. Bon, et alors, je fais quoi là? Check de surveillance caméra. Alors, est-ce que c'est à l'endroit où il y a les parasites qu'il faut que je regarde? Ouais, allez. Alors, je pense que c'est dans la chambre où elle est allongée seule. Quelque chose qui cloche. Putain, mais il est courageux quand même. Attendez, je me rappelle plus. C'est laquelle de chambre? C'est quoi le check? Ah, ok. Ouais. Je crois que c'est bien celle du fond là-bas. Non. C'était bien celle-là. En fait, je me repère par rapport à la chambre d'Hisoka. Je pense que c'est celle-là. Verdict. Putain, je me banane, hein. C'était pas la bonne. Et voilà. Maintenant, vu la configuration, effectivement, c'était celle-là. Attends, il y avait. Je suis pas fou, il y avait un document par terre. Ah, voilà. Alors, tout semble aller bien dans la chambre. Ah, quelque chose est tombé sous le lit. Un livre que Yuri est en train de lire, je devrais vérifier. Mordu la jambe, ça, ouais.
Pas si je l'ai celui-là. Yes, on l'avait pas. Je suis content. Je les collectionne maintenant. Ok, putain, il était violent celui-là. Je suis inquiet à propos des autres chambres, je devrais retourner vérifier les caméras. Bon, allez. Bon, j'ai récupéré un fantôme que j'avais pas, c'est toujours ça. Mène au même endroit, donc ça doit être là, je pense. Il est toujours là, lui? Toujours endormi? Ok. Allez. Oh putain! Il y en a une en bas. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Le problème, c'est que je sais pas exactement où c'est. Hein, mais... Ah! Bonjour. Je m'attendais pas du tout. Ah, ça. Ah, elle va être agressive ou pas, celle-là? Oh putain! Obligé de me soigner, ouais, elle m'a foncé dessus, il n'y avait même pas le... Je sais plus si on l'a fait là ou pas. Bon. Juste par quoi tu fais? Pourquoi j'ai pas le... Ah ouais, d'accord, lui il a pas le... Non, ah, ok. Ça veut dire... Pas... Oh, ils ont chacun leur spécialité.
Ah, elle a un couteau à la main. On va se soigner. Ah, donc si c'est... Putain, encore je l'ai raté, oh. Ouais, obligé de me soigner encore. Ah, elle est encore ratée, hein. En fait, elle se téléporte, c'est un piège la première fois. Bref, hein. On va essayer la deuxième. Là. Non. Oui. Voilà. En fait, faut pas y aller la première fois. C'est vache, hein. C'est vraiment vache. Hein. Mais bon. J'ai récupéré mes 500 points. Je vais voir si ça a changé. D'accord. Alors les escaliers ils sont pas là. J'en ai vu une qui descendait. Et... Est-ce qu'elle descendait cela? Est-ce qu'elle descendait cela? Cela d'escalier, non, qu'elle descendait? Ça va toi? Tout va bien? Ok. Mais je vais aller aux autres. Hein. Tout va bien, vous. Je sais pas trop ce qu'ils veulent que je fasse. J'avoue qu'ils m'ont... Elle m'a bien fait flipper. Hein.
Là, franchement, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool. Hein. Bon, bah, j'ai bien morflé. Oh, c'est peut-être la flemme encore. Or, mon corps est de plus en plus froid et mon sang semble. Clair comme de l'eau. Mon corps vibre avec la montagne. Ouais, on peut dire ça comme ça. Tremble comme une montagne. Je ne peux pas bouger. Je voulais que Monsieur Ojo. Partout loin. Mais il n'a pas pu s'échapper. Il est devenu un outsider. Il doit choisir. Celui qui ne choisit pas Bulbitron, oui. Sera thrown away. Je sais pas ce que ça veut dire. Sera écarté ou sera poursuivi ou sera éliminé. Je ne pense pas que Monsieur Ojo. Aura ça pour conséquence, hein, ce qui est dit plus haut, mais c'est déjà trop tard. Il a besoin de choisir quelqu'un et il doit en finir avec quelqu'un. Bon, un truc comme ça. Bon. Allez, de toute façon, je suis tellement dans le. Tout ça là non pour les escaliers. Bon. Et si je regarde la caméra, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est toujours en train de me faire des grimaces. Oh là là, mais c'est qui ça encore? Putain, pourquoi il y en a tous les jours, il y en a un nouveau. Bon, alors, par où je vais passer. Allez, où l'entrée là? Allez. On va plutôt passer par là. Ça fait un moment que toi tu te balades. Hein. C'est qui le blond ou la blonde là qui s'est jeté par terre?
vrai. Ouais, bon, hein, pas besoin d'utiliser. Il faudrait que je le capture celui-là, je crois pas l'avoir. Reviennent parce que sinon voilà, vas-y approche toi un peu de moi. Bon, bon pas tant hein. Ouh, les dégâts qu'il m'a fait. Yes, on l'avait pas non plus. Oh merde. C'est un mauvais moment. Ah, je vais doucement. Comme ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Alors, je suis inquiet de savoir ce qui se passe dans les autres chambres. Je devrais aller vérifier la caméra. Allez. Ça va se passer maintenant. Sûrement auprès de la mère et de sa fille. Ben non. Ah, elle est là. Elle est à l'entrée. Ah ben, il n'y a plus rien qui marche. Bon. Retournons à l'entrée du magasin. Il y avait... Ah. Merde. Bon. Ah ouais, là c'est le nid, ça y est.
sais même pas comment tu fais là pour t'en sortir. Alors, on va pas paniquer. On va prendre tranquille. Ah, maintenant on se met là. C'est pas le meilleur endroit. Et on m'attaque de tous les côtés. L'appareil photo il prend feu tellement il y a des alertes. Donc, combien il y en a là-haut? Ok. Tout à l'heure, elle était là. Vraisemblablement, elle n'y est plus. Par contre, zéro munition. Hein. Je sais pas si vous avez capté. Ah, la porte s'ouvre maintenant. Est-ce que ça a réparé la... Ouais, ça y est, ça marche. Alors, la mère et la fille ou pas? Putain, j'ai pas pu voir où c'était. Pour moi, c'était au premier... Non, c'est... Non, c'est au deuxième étage. Que c'est dans la chambre d'Isoka. Isoka, plus rapide, c'est là. Allez, allons dans la chambre d'Isoka. Ah, ok. Bon. Ça... Sacrée soirée hein, qui passe le mec.
Et mon voisin qui a, oh là là, qui a fait du bruit, ça m'a fait sursauter. Bon, j'ai compris, c'est là où il faut que j'aille. Ah. J'ai déjà été ici par le passé. C'est là où la cérémonie des gosses mariages ont lieu. Allez. Ouais, c'est pas là, là. Ah, ça se voit pas. Bon, mais si c'est éclairé, il y a de fortes chances pour que ce soit ici. Que si je mets le truc mais que je rentre pas, que du beau monde hein. Une photo. Alors, Ren a pris la vérité. Alors, The Troop propose. Ren a appris le vrai but des rituels qui ont lieu sur le mont Ikami. Hop. La montagne agit comme Bundari, je sais pas trop ce que c'est. Agit comme Between the World. Agit sûrement comme une frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Un endroit où chacune des âmes des visiteurs The place that which the soul of visitor will return to the water from which... un endroit dans lequel les âmes... the souls of visitor... Les... Est-ce que c'est un contresens de dire... Souls of visitors... non, moi je dirais l'âme des visiteurs... sont revenus depuis l'eau à l'endroit où elles sont nées. Les vierges du sanctuaire absorbent la mémoire des morts et lorsqu'elles n'y parviennent plus, elles sont sacrifiées dans les reliques. Le ghost mariage, donc les mariages fantômes, servait à consoler. Alors à consoler et à rendre plus fort les âmes de ceux, enfin de celles,
sacrifiés. Les couples mariés sont balancés dans les ténèbres. Vatlitz to the Neverworld. Conduit. Ce qui les conduit vers l'autre monde. L'eau connecte tout ça. C'est encore tiré par les cheveux. Bon, ben voilà. Chapitre 13 terminé. Mais il était plus court que les autres, il m'a semblé celui-là. Ah, et ben voilà. Last drop. Donc, potentiellement, la prochaine fois, nous ferons le dernier chapitre, hein, le last drop, le 14e. Bon, ça va, celui-ci s'est bien passé. Hein, il y avait beaucoup d'ennemis, mais au final, ils n'étaient pas très agressifs, pas très dangereux. On n'a même pas eu droit à un boss, donc voilà, c'est cool. C'est cool. Alors juste, j'en profite, puisqu'on n'est même pas à une heure de vidéo, voir un petit peu ce qu'il propose. Donc là, ah ouais, voilà, Miu, Ren et Yuri, hein, on peut pas avoir d'autres. Hein. Ok, et au niveau des archives, on peut le voir quelque part là, ou... Option... Non, il n'y a pas. Non, je pense que les archives, on peut les voir uniquement lorsqu'on envoie une mission avec un personnage. Bon, c'est pas important. On va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo, peut-être, de ce jeu. En attendant, j'espère que ce chapitre 13 vous a plu. Encore une fois, il était sympa, hein, il était sympa. Et bon, après, il faut faire parcourir le magasin dans tous les sens, mais ça va. C'était plutôt pas mal d'utiliser la caméra et de se rendre dans les zones un peu dangereuses. J'ai trouvé que c'était sympa. Merci à tous de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!